pour les invités tous apprêtés pour l'événement. Tapis rouge et traditionnelle séance photo. La suite, c'est 400 invités pour un cocktail en honneur à l'obtention d'une 5e étoile pour la Toubana. Le célèbre hôtel Spa de Sainte-Anne répond désormais aux critères très sélects de l'ultra-luxe. De quoi permettre à la Guadeloupe de faire partie des nouvelles destinations UP, consacrées à certains privilégiés, selon la directrice de l'établissement. Ce soir, on inaugure notre 5e étoile à la Toubana. Un travail de nombreuses années qui s'accomplit ce soir avec la pose de cette 5e étoile pour la Toubana. Mais ça représente aussi beaucoup pour la Guadeloupe. Jusqu'alors, nous n'avions pas d'établissement 5 étoiles sur l'île et on se privait d'une certaine clientèle qui ne descend que dans des établissements 5 étoiles et donc qui ne venait pas en Guadeloupe. Grâce à cette 5e étoile à la Toubana, nous allons donc pouvoir accueillir des nouveaux clients sur notre île. Et pour ce faire, la Toubana peut compter sur ses nombreux atouts, comme son panorama unique entre ciel et mer. Pour certains, l'un des meilleurs endroits pour profiter de la beauté de l'archipel. Pour les acteurs de l'économie et de la politique locale, comme la région, ce potentiel naturel doit participer à l'essor de la Guadeloupe. C'est un objectif que nous nous sommes fixés lors des élections régionales en 2015. 1 million de touristes, 1 milliard de chiffre d'économie, 1 million d'emplois. Et comme vous le dites, d'inauguration en inauguration, il y a eu le bus de mer qui rentre dans notre projet d'économie bleue. Nous avons hier eu le Saint-Georges, qui dans quelques temps passera en Mercure. Et aujourd'hui, c'est la Toubana qui passe en 5 étoiles, une première en Guadeloupe. Donc c'est une fierté pour nous d'accompagner tous ceux qui ont des projets pour développer le tourisme, mais surtout créer de la croissance et de l'emploi. C'est la Guadeloupe qui avance, c'est la Guadeloupe qui fonce. C'est notre objectif. Une 5e étoile, donc, comme un symbole de renouveau pour le tourisme et l'économie locale. En renouvelant l'offre hôtelière et les expériences de voyage, les îles de Guadeloupe espèrent confirmer des chiffres records de fréquentation en hausse chaque année.